On a trouvé la gare, et le train est à quai. Reste plus qu'à s'installer bien confortablement, et c'est parti. J'espère sincèrement qu'on n'aura pas d'autres ennuis en chemin. Parlez pas de malheur. Si ça continue, on va trouver un verrou à canister sur la porte. Surprise, on dirait. Personne ne s'attendait à ce que des robots civils soient aussi agressifs. Bah forcément. On serait fait avoir aussi. Ce sont ces robots qui ont mis le pays sur pied après les ravages de la peste brune. Du coup, 10 ans plus tard, tout le monde les croit fiables. C'est mathématique. Quelle tragédie, quand même.
Bonjour, camarades. Bienvenue à bord du Vortex, un train à grande vitesse unique en son genre qui fait la fierté du site 3826. Il faut que j'aille au VDNH et Fissa. Mais avec plaisir, camarade. Le trafic actuel sur la ligne est de 0%. Vous pouvez partir immédiatement. Super, let's go! Enfin, si vous avez acheté un billet, bien sûr. Un billet? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a des cadavres partout et ils ont déclenché le protocole d'urgence sur tout le site. Allez, démarre-moi ce train et plus vite que ça. Les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Je ne détecte aucun signe de grossesse chez vous. Avez-vous un certificat de votre gynécologue? Je vais t'en montrer des signes de grossesse, saloperie. Si vous souffrez d'un handicap mental, avez-vous votre certificat d'invalidité? Ça y est, tu m'as saoulé, là. Camarade Major, je vous rappelle que ce Rafik n'est pas un robot autonome. C'est le système principal du Vortex. Si vous le détruisez, le train ne sera plus bon à rien. C'est bon. Écoute-moi, foutu tas de ferraille. Où on peut l'acheter, ton billet de merde? Mais au guichet le plus proche, bien entendu. Il y a des tarifs spéciaux disponibles pour les voyageurs accompagnés d'enfants. Quel guichet, pauvre naze. Ils sont fermés, tout le monde est cané, plus personne vend de billets. D'après la loi, les transports gratuits sont réservés aux femmes enceintes et aux handicapés. Mais ta gueule! À ce rythme, je vais finir par me taper la route à pied jusqu'au VDNH. Ouais. Allez, on se tire d'ici. Et là, je suis censé faire quoi? Fouiller ces cadavres un par un? Vous devriez aller parler aux victimes polymérisées. Putain! Vous êtes sérieux? Il n'y a plus de billets! Le guichet est fermé! Bon, il me faut un billet. Un billet? Mais vous êtes dingue, bon sang! Il y a des robots détraqués dans tout le site! Aidez-moi! Ils veulent me tuer! Désolé, camarade. On peut plus rien faire pour vous. Collègue, sauvé. Problème. Excusez-moi, camarade. Vous auriez pas un billet de train? Je dois partir. Ramène qui? Urgence. Quoi? Gros problème. Gens qui meurent. Élimination normale. Soleil. Connard. Oh putain, je perds mon temps, là. Robot. Quoi? Je reviendrai plus tard. Avoir votre billet de train, camarade? C'est une urgence. Vous êtes vivant? Alors fuyez! Vous pouvez encore vous en sortir! Impossible. Je suis le type censé nettoyer tout ce chantier. C'est exactement ce qu'on s'est dit quand ils ont déclenché l'alarme. Et là, on se planque au lieu de réparer les robots. Désolé, camarade. Mais vous n'avez plus besoin de vous cacher. Quoi, vous voulez dire qu'ils m'ont tué? Je le savais! Ah bon? Comment ça? Ça fait plusieurs nuits que je suis au même endroit et je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé depuis l'alerte. Donc, j'imagine que votre billet n'est plus valable. J'ai un abonnement mensuel. Ça fait déjà un mois. Et je suis là depuis combien de temps? Ça fait pas encore un mois. Je peux vous emprunter votre carte, camarade? Vous n'en avez plus besoin et le Rafik du train est un vrai casse-couille. Vous avez croisé un Rafik? Ne vous en approchez surtout pas! Ils tuent tous ceux qu'ils font!
Vous en avez un ou pas? Oui, prenez-le. Il est dans ma poche. Je ne peux pas l'atteindre. Ça marche. Merci, camarade. Et ne parlez pas aux Rafik. Ils sont dangereux. Bonjour, camarades. Bienvenue à bord du Vortex, un train à grande vitesse unique en son genre qui fait la fierté du site 3826. Et ce billet-là, ça va? Tu vas me laisser partir maintenant, connard? Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez un billet, camarade? Ça permet de faire partir le train plus vite. Parce qu'avant, je l'avais pas, voilà pourquoi. Quoi? Ce n'est pas votre billet? Voyager avec le billet de quelqu'un d'autre est indigne d'un citoyen soviétique. Tu peux répéter pour voir? Ne vous en faites pas. J'ai analysé la situation et en ai tiré la conclusion que vous êtes un officier de sécurité enquêtant sur une affaire urgente. Il va de soi qu'au vu des circonstances, vous êtes parfaitement autorisé à voyager de façon gratuite. Non, mais sérieusement? Installez-vous où bon vous semble. Ce train partira dans 10 secondes. Waouh, y a pas à dire, c'est beau la science. Le train va partir. Prochain arrêt, gare de Solnechnaya. Charles, la mort de Sakharov ne m'a pas semblé louche pourtant. Qu'est-ce qui vous dérange? On en a déjà parlé. Il y a trop de questions qui restent sans réponse. Hé, il faut que je tire cette affaire au clair. Cette Chenov, c'est ma seule famille, ok? Je comprends, camarade major. Mais vous voulez tirer quelle affaire au clair, monsieur? J'arrive juste pas à imaginer cette Chenov buter son meilleur pote. C'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi il ferait ça? Oui, pourquoi? Sakharov l'avait peut-être trahi, allez savoir. Comme ses autres collègues, le Tova, par exemple. Petrov était tout pour Filatova. C'est une femme amoureuse. Elle avait pas les autres. Bordel, c'est quoi ce truc? Oh, putain de méchoui! Accrochez-vous! Non, mais sérieux, quoi? Gare de Solnechnaya. Prochain arrêt. Stock. Pas le moment de pioncer. Bougez-vous, faut se mettre à couvert. Accoucher. Qu'est-ce qu'a dit cette Chenov? Ok. Calmez-vous. C'est comme si... Ok. Le camarade Molotov est en route pour venir ici. Laissez la tête. Le camarade Sechenov veut que vous alliez là-bas, au plus vite, pour lancer la procédure d'urgence. Compris? Mais pourquoi faire? Bon, d'accord. Quoi d'autre? Oui. Le camarade Sechenov m'a demandé de vous donner ça. Ça pourrait agent servir. Agent P3, vous êtes un soldat! Votre boulot est de me protéger! Qu'est-ce que vous faites? Alors protégez-moi! Attendez, vous allez où, là? Espèce de saloperie! C'est mignon, ici. On se croirait à Moscou. C'est mieux. Plus futuriste et plus grand, aussi. Bon, en même temps, c'est mon idée. Comment ça? Pardon. Disons que c'est la représentation exacte des idées que je préfère.
Konaru saute par-dessus le chien paresseux. Il a complètement perdu la boule. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est trop. Pauvre type, il faut qu'il se souvienne que de la douleur. Pas de bol. Bon, l'ami, il faut que j'y aille. Je regarde la cour.